Seigneur, chaque année pour moi, la bonté de Dieu en compagnie de la vie. Comment m'utiliser dans les derniers jours, personne ne dira plus à toi pour la soirée, quand tu seras séché par toi-même, dans le Seigneur. Comment m'utiliser sans la foi, il est impossible d'être agréable au devant de toi, et en capo et écoute, ma langue est pour la vie. Oui, Seigneur, c'est comment m'utiliser. Déjà, je vous ai annoncé. Oh, Polo, qui a été kilomagino, et même la sanctification. Utilisé puissamment en vase de maillot. La copo la colo, pour qu'on se convise la vicieuse psychologie. Amen. Amen. Ils ont la serre, ils ont l'habitude de m'en avoir un coma. Je vois quand même un stylo, un coma. Je à ma frère, à ma sœur, à ma salle, à ma grâce, à ma cerveau, à ma disquette, à ordinateur, à ma kangaka, tu n'as pas de comme un loco exalté, à ma pambola, à mon encombre, à Jésus. Ma capacité est que c'est dit. Ce qui a doté la capacité, donc au bon yate. Mais ceux qui étaient aux années à côté aux autres, ça l'assembla. Vous avez besoin de verser. Vous avez besoin de verser. Caribou, vous avez besoin de verser. Amen. Kimia ya kolo Yesu Kristo za na moko na moko. Que la paix de Jésus Christ soit le partage de tout un chacun. Amen. Et tout dimisami kenza menda sa kisibiso na bolingo na ye. Et nous sommes convaincus que c'est le Seigneur qui nous a réunis dans son amour. To talisaka kituza bato na bolembu suki lisungi na ete pamba kona biso. Nous montrons toujours que nous sommes des gens faibles si ne nous assiste pas, nous ne sommes rien. C'est sa grâce qui est tout pour nous. C'est pourquoi lorsque tu t'amènes dans la maison du Seigneur, tu dois t'humilier devant lui. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Et aïe bitre mi osalemi na matière eza na sija faiblesse la terre. Très bien que tu es formé de la terre qui est sija faiblesse. Quand on s'approche et ba kozo ko s'approcher na oya kelaki. Lorsque tu t'approches, sache que tu t'approches devant ton créateur. Et ba ke ko kikoya na pinzo ni mokozo ngande nisi. Et sache que tu peux venir avec des pleurs mais tu retournes avec la joie. Que Jésus-Christ apambola yo mingi. Que Jésus-Christ te bénisse richement. Le loto zali vendredi le 8 octobre 2021. Nous sommes toujours le vendredi 8 octobre 2021. Nous avons la séance na biso ya poko toujours na assemblée des saints d'Ariwara. Nous sommes dans notre séance du soir dans l'assemblée des saints d'Ariwara. Et na province Ituri na RDC. Dans la province de l'Ituri à l'est de la RDC. Tolobaka boye parce que ba te belé bazola na biso. Nous donnons de telles précisions parce que beaucoup nous suivent. Et même bande comme sous son Algérie, pays algérien, mais sous son quand même égyptien. Même notre frère en Algérie et en Égypte suivent notre prédication. Et par la grâce de Dieu. Et par la grâce du Seigneur. Et même en Europe, aux États-Unis, partout. Et là, vous avez la gazade, motema ya mouté, pèse mes pans en main. Même en Europe, aux États-Unis, partout. Et ce que nous poursuivons, c'est que le cœur soit donné au Seigneur. De la même manière, si les frères de Mungwere nous suivent, c'est la gloire de nos Seigneurs parce qu'il y a le cœur. Parce que toute la terre passera. Mais la parole de Dieu des eaux demeurera éternellement. Parce que nous la que nos yeux soient arrivés sur la parole. Et nous croire que celui qui s'attache à la parole, tu comme aussi. Éternel.
Et nous croyons que si nous attachons la parole, nous deviendrons aussi éternels. Donc, tokolekate. Nous ne passerons pas. Okangami la parole. Si tu t'attaches. Okomi la parole. Tu deviens la parole. Okolekapete. Tu ne passeras pas non plus. C'est ça la promesse de Jésus-Christ. Nde elaka Jesus Christo. Que Dieu te bénisse. Sambe ya pamolayo. Tozozwa litangi na biso na Apocalypse 6 verset 5 et 6. Nous prenons notre texte d'Apocalypse 6 le verset 5 à 6. Les lots colombé la cheval noir. Aujourd'hui nous parlerons sur les cheval noirs. La katina yango to colombé la balance. Cela nous parlerons aussi de la balance. Et Toko Loba aussi, pour répéter, verset 6 aussi. Nous allons aussi répéter le verset 6. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Et pasteur Seba, pour la mission à Lingala, tantôt nous tanga. Le pasteur Seba va nous traduire en Lingala dans notre lecture. Nous tanga na kombo na Jésus Christ. Amen. Verset 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». J'ai regardé et voici Paris un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier. Et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Que Dieu bénisse ses lectures. Nazo informé ma frère Nyonson par la grâce de Dieu. J'informe à tous les frères par la grâce de Dieu. Ce qui na sentir na ponayo oye bisangai eloko yo so saisir ko ban enseignement ezali na ponayo. Si par exemple je tombe sur toi pour te choisir afin de nous dire qu'est-ce que vous avez retenu depuis le début de l'enseignement, je chanterai. Même un chant. Je t'ai fait passer devant les gens pour nous dire ce que tu as saisi depuis le début de l'enseignement. On sache quand même comment est-ce que tu viens et tu retournes à la maison. Un frère. Tu es un frère. C'est Jésus le faisait. Il leur posait la question. Les habitants de Césarée, qui dit-on que je suis? Ils ont commencé à parler. Après, Atali Bambodien. Après, il est encore regardé. Et vous, Pépino, Ozolobani. Qui dites-vous que je suis? Pierre Atali Abébina. Pierre a regardé, il a dit. Tu es le Christ. Vous avez dit Christo, moi, Nazamé Nabomo. Jésus n'a pas appris du sens. C'est Jésus, c'est Pierre qui nous l'a appris. Donc, poser Wana et Zalaka bien. Donc poser des questions aux frères, c'est bien. N'aie pas peur, même si tu ne connais pas. Kosunga mekoyakak. On va toujours t'aider, t'assister. C'est comme ça que la mukana enseigne mekozala na katina. C'est comme ça qu'il y aura un réveil et l'enseignement en toi. Zalate oyaka, ozongaka, oyaka, ozongaka, suitusi ici, enseignement yo. Ce n'est pas que tu viens et tu retournes à la fin de l'enseignement, tu classes l'enseignement dans les tiroirs. Ce n'est pas ainsi, bien. Il faut vraiment, il faut vraiment que tu maîtrises l'enseignement. Par la grâce de Dieu, la permission à ma ministre, par la permission de tous les ministres, ceux qui nous ambassadent, si le Seigneur fait grâce, nous avons la lecture et l'écriture ensemble. Nous aurons le temps de faire ensemble la lecture dans les Écritures. Selon que les ministres vont voir. Il faut d'abord savoir l'Écriture telle qu'elle est. Et tu saches d'abord l'Épître de Timothée. Et tu saches d'abord les livres du prophète Agé.
Et tu saches d'abord comment est le livre de Juges. Si on te dit par exemple, donne-nous la pensée globale du livre de Juges. Que tu saches dire que dans le livre des juges, on parle de ça, ça et ça. Dans le livre de Josué. C'est la lettre que l'époux a écrite à son épouse. C'est une chose grave que l'époux pose la question. Que tu avais lu la lettre que je t'avais envoyée. Alors moi, si on est ici, et l'épouse répond, j'avais seulement lu l'endroit où il était écrit. Celui qui demandera, on donnera à celui qui demandera. À celui qui frappera, on l'ouvrira. Alors, mon bain a conservé là. Les maris, les psérats dans la joie. Parce que tu n'as lu qu'une portion. Non. La parole. Il faut savoir la parole. L'assemblée des saints, ce n'est pas un nom. L'Isanga Bassam, ils allaient Kobo Té. C'est l'État. Ils allaient l'Olengue à Bato. Donc, l'Olengue. Donc, l'État des gens. L'assemblée des saints font magasin avec des documents. L'assemblée des saints n'évolue pas ou ne s'ouvre pas avec des documents. Comme un territoire, moi, on a ouvert par tous les moyens. J'arrive dans un territoire et je cherche par tous les moyens. La signature. Les signatures. On les apprend à l'État. Là, c'est là-bas chez l'État. Mais assemblée des saints, il faut vraiment peuple basana saint. Mais assemblée des saints, il faut vraiment que le peuple soit sanctifié, saint. Basana peuple. Oui, c'est répandu. Qu'il soit un peuple qui s'est répandu. Et ça circoncis. Un peuple circoncis. Ils ont co-affectionné dans les choses d'en haut. Ils ont défendu les paroles même au détriment. Un peuple qui défend la parole à taille Sengedia Kita. Donc, pour la parole, la parole règne. Il dira que la parole puisse régner. C'est comme ça qu'on va au roi, vie éternelle. C'est comme on disait dans la loi, on continue à seco. C'est ça l'ensemble des saints. Yangonde l'Isangabasan. Ils ont tombé l'année enseignement. Une assemblée qui n'élève que l'enseignement. Pour aller bien. Parce que cette assemblée connaît. Il nettoie la carte à l'Ilakis. Que son enlèvement est dans l'enseignement. Amen. Tant que vous avez répété, vous avez dit là, ils ont des bongos. Lorsque nous parlons, nous répétons parce que les choses sont ainsi. Donc il faut la mouka vraiment. Et il faut que tu te réveilles. Oyeba, il a kisiozo yoka. Que tu maîtrises bien l'enseignement que tu écoutes. Oyoki parole. Tu écoutes la parole. Tango bimi. Lorsque tu sors. Na milieu abato baza ya bisote. Loba ya mo. Dans le milieu des gens qui ne sont pas nos frères, parle de cette parole. Parce que bato bazo yokane tozo loba na ba radio. Parce que les gens écoutent quand nous prêchons à la radio. Que l'assemblée des saints nous avons un enseignement sur Setso. Que l'assemblée des saints nous avons un enseignement sur les Setso. Maintenant, écoutez na muninga na yo. Maintenant, tu croises un de tes prochains. Et c'est ça dit combien de temps que bana Setso ango ebandaki. Et l'enseignement des Setso a pris combien de temps depuis son. Ya zo tuna yo. Et c'est lui qui te pose la question. Ici, c'est à peu près 3 semaines qu'on va débattre. On a déjà vu 3 semaines depuis que c'est dans ce moment. Donc voilà, est-ce que on peut faire un briefing? Quand moi je viens, est-ce que tu peux me faire le résumé, le briefing? Mais ton âge, est-ce que tu sauras le faire? Ce qu'on peut quitter, cela veut dire au sérieux. Si tu n'y parviens pas, c'est que tu prends ces choses à la légère. Parce que Yondozani. Parce que c'est toi qui assistes tout le jour. La loi de Dieu déclare ceci dans Exode 16. Mobe kwasambe zali na kolobaboye na mukanda bobi. Tamba kende ki poba lokota nourriture. Lorsqu'il s'était rendu pour ramasser la manne. Manne. Exode 16 le Bible. Exode chapitre 16 nous dit ceci. Tokotanga yango na kombo na Yesu Christo. Nous allons le lire au nom de Jésus Christ. Le Bible. Il dit ceci. Verset 16. Le verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homer par tête. Suivant le nombre de vos personnes. Yoka mena. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Moko na moko oya koya kolokuta akoso pona bayo batikali na emanaye. Okilwanza meninga. Vous avez entendu la loi de Dieu?
Donc, en écoutant la parole, et chacun de nous qui prend la parole la prend aussi pour ceux-là qui ne sont pas là. C'est ça, Exode 16, verset 16. Et c'est ça, Exode 16, le verset 16. Maintenant, ceux qui sont absents, s'ils te demandent où est ma part dans la parole que tu écoutes, mais faut ça, non? Il faut que tu aies cette part-là, bien-aimé. Mais comment tu ne mets pas en pratique l'ordonnance de Dieu? Il faut être capable. Il faut que tu sois capable. Yako lobela ndeko oyoza na ye mazawa te. De parler au frère qui de ton prochain qui n'est pas de l'ensemble. L'enseignement que tu écoutes. De l'enseignement que tu écoutes. C'est ça le verset. C'est ça yango de l'ikomi. C'est très utile. Ezali motuya. Il faut s'appliquer. Et Seigneur, il m'y paie ça. C'est très très important. Et ça, mon tout, il y a ma casse. Toi, enseignant, nous enseignons. Pour mon tout, azala éclairé, azala la lumière, pas marcher dans la lumière. Pour que quelqu'un soit éclairé et marche dans la lumière. Et c'est ce qui est important. Il y a beaucoup d'ali mon tout, et partout, on tambo les ali aussi pour aider Batoba Kota aussi dans la lumière. Et partout tu passeras, c'est pour aider ces gens-là à entrer dans la lumière. Oye, pour défendre l'enseignement partout aux âmes. Et tu saches aussi défendre l'enseignement partout où tu passeras. Au comment dans mon tout, tu verras quelqu'un. Azana pour la discussion à Batomoso sur Makamba football. Il a le temps de discuter avec les autres sur le football. Mais Azan a tenté pour rappeler Makamba Azo qui pas émis sa moto et émis Makamba Zambé. Mais il n'a pas le temps de rappeler l'enseignement à celui qui ne le connaît pas. Comment on a un Touka numéro 1 à 7. Tu vas le voir en Touka, c'est numéro 1 à 7. Non. Un frère. Un frère de l'ensemble. Il porte aussi le varese numéro 7. Wana soka zola na parfois longoli nanu. Là quand il suit, tourner na là. Commence à tourner la varese. Oui. Attention. Amen. Bible lui ce qui était pour moi des gains na tala qui ont comme de la boue. Oye sala qui pour na nga tomba na koma ki komo na go poto poto. A quoi est excellence et connaissance à Christ. Likolo na oye sali qui toko ya moye bia Christo. J'ai déjà vu des prédicateurs, des ministres qui suivent le match. Il a refusé que les brebis puissent les déranger. Il a fermé tous les téléphones. Très concentré. Parce qu'il est très concentré au match en Espagne. Il se joue en Espagne, le classico. Très concentré. Très concentré. On se moque pas de lui. Bachola, ça m'bête. Il faut baisser en de valeur. Il faut donner à Dieu la valeur. Important. Sa valeur, c'est très parce important. Que ce que peut sans de valeur, parce que si tu ne sais pas donner la valeur à Dieu, il y a méprisé, il pas méprisé. Il dit toujours que si tu le méprises, il te méprisera aussi. Si tu refuses de le témoigner, lui aussi te régnera. Ce sont des conseils de la parole. Isaïe Batoli à Liloba, tombola la parole. Élève la parole de Dieu. C'est très important. Isaïe Motuya Makasi. Pour Yahonde vie. Parce que c'est la parole qui est la vie. En dehors de notre vie, monsieur Zadé. Et en dehors de la parole, il n'y a point de notre vie. Amen. Amen. Tu peux voir une personne dans une. C'est parce qu'ils avaient marqué aux temps additionnels. Ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. En cours de route, il est très joyeux. Ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Il suivait le match. Et ils ont marqué le but à la dernière minute de l'égalisation. Et puis il est dans la joie. Et puis il a senti la paix dans son cœur. Jésus a dit que je vous donne la paix pas comme. C'est que le monde des OPC. J'insiste sur ça. Nazali kobeta sete penza. Parce que ça n'a pas frère et belle ensemble de ceux qui ont été parce qu'il y a d'autres frères de l'église de CNN toujours par ici. Démoniaque. Bah, masano ya diabolo. Et même Bataï Moussou Babeta Gango. Même d'autres prédicateurs. Dans la province Moussou. Joue aussi au Paris Foot dans d'autres provinces.
C'est très démoniaque. Les amis, milimo mabe kozangisa enseignement na biso valeur. C'est faire perdre à notre enseignement sa valeur. Et ça na biloko mususu, il faut toléguer ta poire dans notre œuvre. Il y a d'autres étapes que nous devons dépasser dans l'œuvre de Dieu. Oui, au moins toute une église vous de saints. Vous allez voir toute une église de saints. Bah, on s'en a débat pour n'agoloba. Est-ce qu'on a la match tôté? Toute une église de saints, une grande église, mais qui fait des débats. Tu peux suivre les matchs ou pas? Bah, jour ni on se yo sali. Tous ces jours que tu as fait dans la foi, vous allez nous positionner. Donc, vous n'êtes pas encore positionné si on peut regarder les matchs ou pas. Natala qui va sur Facebook. Je les avais vus sur Facebook. T'as la match tôté. D'autres assemblées qui ne sont pas celles de Dieu. Exemple des prénoms. Prenons par exemple les frères du message de Branham. Beaucoup d'avant la légèreté. Vous n'allez pas les voir dans de telles légèretés d'image. D'abord na chair na bambou. D'abord du haut de leur chair. Catholique, moi si un catholique fait le bien, je vais le témoigner. Mais je ne deviendrai jamais catholique. Ce qui n'a qu'à assembler le branamisme. Si je me rends dans les assemblées des frères du message de Branham, très difficile. C'est très difficile que je croise une très jupe qui porte une jupe qui lui moule. Tu peux les entendre sortir de l'intérieur. Tu ne trouveras aucune sœur avec une jupe collante. Tu ne les rencontreras jamais. Tu ne vas jamais voir une telle sœur. La Bible dit que si votre justice est l'équipe, pharisien c'est ça l'exhortation que le Seigneur a passée à disciples. Et c'est ça l'exhortation que le Seigneur fit à ses disciples. Donc veillez, c'est très important. Il faut veiller à cela parce que c'est très important. Il y a ce qu'on appelle l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est la Bible. Et ça dit que la Bible est bien ma kalibanda oyeblombo bani na bosantu. Il faut qu'on baisse ça enseignement à biso d'abord valeur. Les branamistes dans la fausseté. Les branamistes sont vraiment dans la fausseté. Abengamo mingi fille catholique. Et je les appelle plus la fille de l'église catholique Babylone, la grande. Catholique a tient à ma photo naé. De la même manière que l'église catholique poste ses photos, ses statuettes. Bango peut même. Et aussi suivent ces traces là. Je l'appelle comme la première fille de l'église catholique. C'est l'église à message à Branham. Et ça l'église à Yamaneko, à Branham. Et puis, na benga kaye balamisme. Et puis leur doctrine, je l'appelle la doctrine de Balaam. Parce que Balaam était un devin. Oui, de Balaam, Azala Kinganga Kisi. Mais le Seigneur venait aussi les visiter. Diable était. Non, pas le diable. Zamba Lola. Makambo ya bikela Balaam. Les choses que Balaam a vécues dans sa vie. Azala ki muyudate. Il n'était pas un juif. Azaki Madianite. Il était Madianite. Mais il était né à Mikouma dans la Bible. Mais ce n'est pas lui qui avait écrit sa propre histoire dans notre Bible. Hein? Non. Donc c'était Moïse qui était chargé d'écrire le rouleau. Ils ont regardé Balaam. Il est un fils de Madian, un étranger. En ce temps-là, Dieu était en Israël. Mais lorsque Moïse a regardé Balaam, il a dit, Dieu parle aussi à ses devins. Moïse n'a comment. C'est Moïse qui avait écrit l'histoire de Balaam. Les textes sur Balaam. Balaam a comment. Balaam ne les avait pas écrits. Moïse. C'était Moïse lui-même. Abandikoko. Il a commencé à écrire. À l'hôpitala Balaam et Samuel a fait ça. Il a dit, écoutez la prophétie de Balaam. Dans Nombre 23. Dans Nombre 23. Verset 9. Le verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Nazomona Isa le temps nazali li kolo ya mabanga minene.
Quand dit Genevois du sommet des rochers, c'est lui Balaam qui est là-bas au sommet des rochers. Vous voyez, on a vu l'église d'Israël, on a vu Israël au sommet, au sommet. Et nous voyons l'aigle. La vie d'Israël était un aigle. Théo Tangi Mabé. Tu as mal lu les textes. Yende Azali na sommet. C'est Balaam qui est au sommet des. Ajoumon à Israël parce que Israël est dans la plaine. Parce que Israël était dans la plaine des Moab. Bonjour à Namalam. Amen. Ah. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut de la colline. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Amen. Ok, il a nombre 24. Dans nombre 24. Moïse Kanda Komakia. C'est toujours Moïse qui écrit. À partir du verset premier. À partir du verset premier. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla point comme les autres fois. À la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux. Moïse n'a pas commencé. C'est Moïse qui écrit cela. Et vit Israël camper selon ses tribus. Il a vu Israël dans la plaine de. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Moïse. C'est Moïse qui le dit. Il est l'esprit de l'Éternel de Dieu. Et il y a des vins d'Angawa. Et sur ces devins là, Balaam. Balaam prononça son oracle. Pe Balaam aloba ki zala ki maloba po sa. Et dit, pe aloba ki. Parole de Balaam. Maloba ya Balaam. Fils de Béor. Moi na mobali ya Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Maloba ya moto zali na lisse fungwama. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Maloba ya moto ayoka ka mo. Et Moïse écrivait les prophéties de Balaam. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Donc un devin. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Donc ma tante à Jacob. Donc, les tentes de Jacob. En réalité. Donc na bosolo. Na ilubirinenge ya mwezali. Donc le langage tel que ça. Ezala ki 5. C'était 5 tentes. Parce que na kala. Parce que dans l'antiquité, dans l'ancien. Moi si na mobali bazao fanda ensemble le matin. L'homme et la femme ne demeuraient pas vraiment dans la même tente. Mobali azala ki nesika na zofanda. L'homme avait sa tente à lui. Et moi, ça s'est ici qu'à Zofan. Et la femme aussi avait sa tente à elle. Mobali azala ki n'est pas à moi si. L'homme se rendait dans la tente. Mazozong. Mais il retournait vers sa tente. On comprend dans ce qu'on t'a dit, Jacob, Akimaki, na, Léana, Rachel. Ah, pour saisir cela, il faut voir lorsque Jacob s'était enfui avec ses deux femmes. Parce qu'Akimaki, na, Bangopa, Akimaki, na, ba, servante, Azwaki. Bon, il s'était enfui avec ses deux femmes et leurs servantes. Tant que Laban l'andi, Bango. Lorsque Laban le poursuivit, Alanda qui pas qu'un de Bolanda et qui connaît. Donc, il les avait poursuivis pour son thérapie. Mais Jacob, alors bien, en tout cas, place au commun et qui connaît, en tout cas. Et Jacob avait vu que sur qui tu trouveras ton théraphime sera coupable. Maintenant, écoute comment t'expliques. Balobi là-bas à côté na tante y a ma servante. On dit que à côté na tante Netia y a Zilpa. Donc là-bas entra dans la tante. Na tante Zilpa. La tante ya première servante. Elle est entrée dans la tente de la première servante. Après, à côté de la tante, il y a deuxième servante. Après, il est entré dans la tente de la deuxième servante. Après, à côté de la tente, il y a Léa. Après, il est entré dans la tente de Léa. Après, à côté de la tente, il y a Rachel. Après, il est encore entré dans la tente de Rachel. Donc, les femmes avaient leur propre tente. Bon ami. Pourquoi
les choses étaient, cela n'était qu'un signe. La prophétie que le Seigneur avait dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Cela n'était pas encore. Parce que l'homme là, c'est l'Éternel. Parce que l'homme véritable, c'est l'Éternel lui-même. Et moi, c'est l'Éternel, c'est Israël. Et la femme de l'Éternel, c'était Israël. Donc, Azaraki Koyaka. Donc, l'Éternel venait Azongi et retournait. Azaraki Koyaka. Il venait Azongi et retournait. Maintenant, le Seigneur l'avait établi aussi parmi les hommes. Vous suivez attentivement. Mais aujourd'hui, l'homme quittera son père et sa mère. Cette prophétie-là s'est accomplie, l'homme qui a quitté son père et sa mère. Elle dit, je serai toujours avec vous. Vous suivez attentivement. Ah. Maintenant, il a vu des tentes. Maintenant, il a vu Jacob. Les tentes de Jacob. Effectivement. Effectivement. Et vous avez plusieurs tentes dans la place où on a le lingue basalé campé. Mais pensez, allez, quatre tentes, il y a quatre femmes. Donc, il pouvait y avoir plusieurs tentes là-bas, mais la pensée est que c'est les quatre tentes de quatre femmes. Que Dieu bénisse. Amen. Ah, mais t'as quoi, t'as lu? Mais lorsqu'il a regardé, Alobini, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse n'a comment? Là, Balaam est en train de prophétiser et Moïse l'écrit. Alobini, il dit, dans verset 5, au verset 5, qu'elles sont belles, il y a nombre 24, tes tentes, Jacob. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près du fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme les cèdres le long des eaux. Que Dieu bénisse. Amen. Balaam prononça encore dans verset 15. Prononça son oracle et dit. Balaam aloba ki maloba ne ya mosakoli. Parole de Balaam. Maloba ya fils de Béor. Mwana mobali ya Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Maloba ya moto azali na liso efungwama. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Maloba ya moto ayokaka maloba nzambe. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Ya moto ayebi ba mwango ya nzamba makolo. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Y a mon à mon Zambé. De celui qui se prosterne. Y a mon Dieu qui a et dont les yeux s'ouvrent. Il a les gars prophétisé Nicolas Jésus. Mais il voulait prophétiser sur Jésus même. Verset 17. Le verset 17. Alors bien, je les vois. Nasali comment on aille. Mais non pas maintenant. Kasisiko yote. Je les condamne. Nasali kota laye. Mais non de près. Kasina pemeni. Qu'est-ce qu'il voyait? Un astre sort de Jacob. Donc il avait vu Jésus-Christ. Ganga. Donc un témoin. Vraiment. Pourquoi? L'Esprit du Seigneur était sur lui. Vous êtes moli mon colo et ça qui Moïse d'accord. C'est Moïse qui avait écrit ces choses. Vraiment. Il avait senti que les choses que disait Balaam étaient vraiment divines. Mais Israël a bombé Balaam ou Anapo Azaki devin. Mais Israël avait tué ses Balaam parce qu'il était devin dans la Kissi. Vous suivez attentivement. Donc l'Esprit de Dieu l'utilisait. Mon livre en Zambé Zalaki Kosale Laye. Mais Azalaki fait la magie. Mais ils étaient aussi dans les magies, les enchantements. C'est pourquoi j'appelle l'enseignement du frère des messages la doctrine des Balaam. Voilà. Donc, quand on a prophétie, l'Esprit de l'Éternel. Tu peux voir une prophétie qui s'accomplit dans cette doctrine, c'est l'Esprit de Dieu. Pas de problème. Mais c'est le computer. Mais quel enseignement aux hommes? L'idée, il y a ni ni basana. Lorsque l'enseignement est mauvais, balamise. Et ça peut être l'idée à Balaam. C'est l'enseignement. Et ça, l'idée à. Et c'est ce qui est très important. Et c'est ce qui est très important. Pour un enfant de Dieu. Pour toi, un enfant de Dieu. Regarde à l'enseignement. Que tes regards soient sur l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous disons toutes ces choses.
C'est toujours pour te donner un bon positionnement. L'Esprit de Dieu utilise tout le monde. Même un sorcier. L'Esprit de Dieu peut l'utiliser, mais n'habite pas dans son cœur. L'Esprit de Dieu avait utilisé Pharaon. Donc un idolâtre. Pharaon a l'autre indoto. Deux fois il a eu. Pharaon a eu un songe qui s'est répété deux fois. Mais Nathan ou Ananzamba Zalaki na Joseph. Mais en ces temps-là, Dieu n'était qu'avec Joseph. Joseph la prison. Lorsqu'on a fait sortir Joseph de la prison, il est venu croiser Pharaon. Pharaon a détaillé ses songes. Joseph a et Joseph a confirmé que c'était la visitation de Dieu à Pharaon. Donc, le Dieu de Joseph est venu visiter Pharaon. Mais Pharaon est un idolâtre tout fait. C'est ce que Joseph a dit. Et c'est ce que Joseph avait dit. Dans Genèse 40, il faut comprendre. Donc il faut comprendre les choses de Dieu. Moi je m'attache là-bas parce qu'il y avait un miracle qui est signalé là-bas. Quel enseignement est dans cette église là où tu t'attaches? Joseph dit ceci. Dans Genèse 41. Dans Genèse 41. Alobi. Il dit. Dans verset 27. Au verset 27. Dans 25, j'ai lu. Joseph dit à Pharaon. Joseph voyait ça qui fait. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Donc, pas tout le Pharaon a su et c'est l'eau comme encore. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Zambé a tali si falo, oyo yen zamba kosa. Donc, Zamba a un programme. Zambo et Joseph. Donc, le Dieu de Joseph a fait un programme. A vu programme 1. Maintenant, il a pris son programme. A copé sa mère, maintenant, il est allé les donner à un idolâtre. Pharaon ne connaissait pas Dieu. Et Joseph t'a envoyé que Pharaon a l'obé. Mais lorsque Joseph a écouté les songes de Pharaon, il a dit Dieu, Zamba, Lola, a su ma programme. Donc il a pris son programme à lui. A Pessi, Nganga, ouais. Donc il l'a fait connaître à cet idolâtre. Et pas Nebuchadnezzar aussi. Chez Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ça me l'a dit que non. Nebuchadnezzar était aussi. Il ne connaissait pas les dieux. Zamba, l'autre ici, d'autres, il y a un programme. Mais le Seigneur l'a donné le songe de son programme à lui, l'éternel. Et comme il a tombé en Zamba, retirant la conscience. Le matin est arrivé, le Seigneur a ravi ses songes. A créé trouble dans le roi. Et puis il a créé le trouble dans le roi. Qui me donnera le songe et son explication? Les devins, les sages de Babylone. Le roi. Là du roi. Et l'on aux enseignes. Ce que tu demandes. Personne sur la terre ne peut le faire. Au moins Zambé Oyazana demeure parmi les hommes. Au moins le Dieu qui n'a pas sa demeure parmi les hommes sur la terre. Ils avaient reconnu que les songes et l'explication n'étaient pas à leur niveau. Et lesquels qui va? Cela leur avait dépassé. À un territoire, j'étais entré dans un territoire. L'église n'était pas encore construite. C'était comme dans cette période. Tamion sur la pluie. Tous les temps, c'était la pluie. J'ai dit que moi, j'ai un séminaire à tenir pendant 40 jours. Je ferme les yeux aussi pendant 40 jours. Lorsque nous avons fini le culte, les ministres m'ont suivi. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a piqué? Dans ce temps ici, cette période est une période de forte pluviosité. Que les cieux seront fermés pendant 40 jours. C'est les cieux aussi étaient fermés. Maintenant, les frères ont commencé à compter. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatre. Ils commencent à continuer. Et comme il dit, 26e jour, il est arrivé au 26e jour. Commissaire des zones à Tomboki. Le commissaire des zones s'est irrité. Cherchez-moi tous les féticheurs là qui ferment les cieux dans les deuils. On les a tous réunis. Ils puissent invoquer leur
les ancêtres pour vous. Maintenant, les pétitions en train de faire leur numéro. Jusqu'à la fin. Là. C'est comme ça des hommes. Les commissaires des hommes. Les Camusons Saint-Gabus. Ce que tu nous demandes, nous ne pouvons pas y parvenir. Commissaire des hommes. Les commissaires des hommes. Il a dit étaler tous ces pétitions là-bas qui sont fouettés. Basaka na courage ya kokanga na mama tang. Alors le courage de fermer seulement pendant les deux ici n'y parvient pas. Beta bango, on les a fouettés terriblement. Frère na biso moko azalaki wana. Notre frère aussi était là sur place, était allé voir l'événement. Maintenant il a dit aux gens, mutakangi likolo azakuna na église. Celui qui a fermé le cieux est là-bas dans l'église. Alobaki ke osala 40 jours pour avoir enseigné pendant 40 jours. Il avait dit que les cieux seront fermés pendant 40 jours parce qui tient un ces fétichés ici sont célèbres. Ils ne sont pas bien. Ils sont des grands célèbres. Frère n'a pas commandé Lukombo. Ces frères-là s'appelaient Lukombo. Ami, Botanga Galileus en 26e jour. Donc, comptez, entrez aussi dans les comptages. Aujourd'hui, c'est le 26e jour. Non, on n'a pas commandé. Et dans les villages, j'ai commencé à compter. 27e. 28e. 29e. Et comme 38e jour. C'est arrivé maintenant le 38e jour. C'était le jour où j'étais éprouvé, bien-aimé. Les colons yindi. Les cieux sont assombris. Tellement la terre qui batouke, quand ils prophétisent. Tellement j'avais la parole. Des gens, ceux qui ont sacolié loco. Pour le dîner, dit que le Seigneur a copié sa masse de couleur jaune. Tu dis aux gens que le Seigneur va te donner la voiture de Mazda couleur jaune. Et ça, l'ennemi peut que Bayo PC Mazda mais couleur verte. Et il s'est fait qu'on est venu lui offrir un Mazda de couleur verte. Exactement. C'est un démon qui avait prophétisé dans les frères. Comment Zamba mon a quitté que la couleur verte? Comment Dieu n'avait pas vu que ce sera une couleur verte? Si tu dis que la chose va se passer pendant 7 jours, 5, la chose a fait 5 jours. Non, non, non. Ce n'est pas l'esprit de ce Dieu. Si c'était une prophétie. Alors, tu as commis 38e jour. Maintenant, lorsque le 38e jour est arrivé, maintenant, il y a eu des grondements là-bas dans les cieux. Donc, la pluie. Mouvement. Donc c'était le mouvement de l'église. Maintenant il y avait un frère qui s'appelait Papi. Tellement il enseignait. Tellement il maîtrisait l'enseignement. Il est sorti de la prophétie. Il a dit oh la prophétie du prophète. Les lois ont aujourd'hui la prophétie va tomber. Maintenant il commençait à parcourir comme font les frères. Aujourd'hui tu vas tomber. 38e jour. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai prié. J'ai dit Seigneur. J'ai proclamé que ça a 40 jours. J'avais dit que les yeux seront fermés pendant 40 jours. Donc, il faut détendre les nuages sombres. Lorsque je suis sorti, les yeux étaient ouverts. Dans le 39e. Donc, le 39e jour. Donc, on est 40e jour. 40e jour. Maintenant, je l'ai dit. J'ouvre maintenant les yeux au nom de Jésus-Christ. Donc, en rentrant à la maison, avant que vous n'arriviez, le ciel, la pluie descendra. Et cela s'est passé ainsi. Lorsque nous sommes dispersés à la fin du culte, le 40e jour, en rentrant à la maison, avant que nous n'arrivions à la maison, la pluie descendit. Suivez attentivement. Dieu peut faire ça. Ça va pour que ça la porte. Mais oh, c'est très important. Mais ce qui est très important. L'enseigner. La chose que je voulais dire. Les féticheurs aussi avaient dit ce que tu demandes, personne ne peut le faire ici dans notre pays. C'était Dieu. Et ça l'a quitté. Et tant que Daniel a eu pas de ça. Et lorsque Daniel est venu chez le roi, comme le Seigneur lui avait donné la lumière, il a d'abord dit au roi, ô roi, ô mon conduit, vie éternelle. Picasseco. Nzambo ya makolo. Le Dieu des cieux. N'a pèsé qui au biloko. Qui t'avait donné ce songe? Nzambo pèsé nan. Dieu l'avait donné à qui? Un idolâtre. Mosambeli Bikeko.
Est-ce que tu suis attentivement la parole de Dieu? Donc, on a témoignage, on a pas entendu que Dieu peut utiliser n'importe qui. J'ai pris ce témoignage pour montrer que nous avons pas qu'au sale la montagne soyale. Au point qu'il a utilisé même Anne et Abalam. Au point qu'il avait utilisé pour Abalam. Anne l'obéit. Kota ya moto vraiment. Là, n'est-ce fit entendre la voix d'homme. Ayebisi vraiment. Il a dit à son maître. Boni. Tu sais bien que j'étais toujours obéi. Si tu vois que j'étais résisté, c'est qu'il y a un problème de vous. Quand vous m'avez dit ça, à l'obé. La naissance a fait entendre la voix d'homme. Tiens, ça est illimité. Ça met à ça dans sous la terre. Donc, on a mal. Suivons attentivement. Donc, Dieu peut utiliser tous. Mais Dieu habite dans Katiabana. Mais le Seigneur n'habite que dans ses enfants. Mais pour toucher tout le monde. Mais il peut toucher tout le monde. Mais à confondre les na Katia Libota. Mais il n'habitera que dans son peuple. Yamoto Boye Bakazawana, c'est par l'enseignement. Et nous saurons qu'il est parmi nous par l'enseignement que nous avons. Parce que Dieu est derrière sa parole. Quand la parole est sawana, lorsqu'il y a la parole à cet endroit, le Seigneur est là. Zambé pas à l'Iwana. Que Dieu te bénisse. Donc, on a mis une exhortation. Là, c'était plus dans l'exhortation. Pour ma valeur et enseignement. Pour que tu saches la valeur de l'enseignement. Ne sois pas emporté par tout ce que tu vois. La vie, c'est dans l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ton lobela qui déjà, alors, verset 6. Nous avions déjà parlé du verset 6. Il y a Apocalypse 6. Apocalypse 6. Bah, éléments ont aussi pas qui n'a bino. Les éléments que nous avions touchés ensemble. Totalisa qui d'abord. Nous avions d'abord montré. Voix au Ezobim en verset 6e Apocalypse 6. La voix qui sort au verset 6 d'Apocalypse 6. Et la voix est l'agneau de Dieu. C'est la voix de l'agneau de Dieu lui-même. De Topesa qui Apocalypse 5, verset 6e aussi. Alors on avait donné Apocalypse 5, le verset 6. Verset qui aussi, Apocalypse 4, verset 6 aussi. On avait donné aussi Apocalypse 4, le verset 6. Bon, Apocalypse 5, il y a ça au milieu des êtres vivants. Pour montrer que celui qui est au milieu des êtres vivants. Dans Apocalypse 5, verset 6, c'est l'agneau. Dans Apocalypse 5, le verset 6, c'est l'agneau lui-même. Des toloba qui bouillait. Alors nous avions dit ceci, bien aimé. La voix où est mimi, on en a verset 6, hein. La voix qui était sortie là au verset 6. Et où tu es pas l'agneau de Dieu. Provient de l'agneau de Dieu lui-même. Écriture et agneau de Dieu toujours. Aussi quand Jean-Baptiste a voté à la parole. L'écriture pour identifier l'agneau de Dieu, nous les prenons quand Jean prêchait la parole. Jésus-Christ a qui n'a pas. Et lorsque Jésus-Christ était venu se faire baptiser, nous avons Jean chapitre 1er, verset 29 à 30. Nous prenons Jean chapitre 1er, le verset 29 à 30. Alors, ben, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, l'agneau, c'est Christ. Donc, moi, n'en pas tenu Christ au Jésus. Même dans le verset 36e, il y a Jean chapitre 1er. Et même au verset 36 du même chapitre de Jean. Et voilà l'agneau de Dieu. Tala na mosika moi n'a pas terminé. Maintenant, toujours comprendre l'écriture et talisibiso. Maintenant, nous comprenons l'écriture nous montre ceci. C'est toujours Proverbe 2. Si nous prenons Proverbe chapitre 2. Verset 5 et 6, Balobi qui est de la bouche de l'Éternel sorte que la connaissance, l'intelligence. Na monoko ya Nzambe et bimaka zebi. Donc, na monoko na etanga zo prononcer la parole. De sa bouche, lorsqu'il prononce la parole, c'est la vérité. Les apôtres solo de piment. Les a mensonge de. Les a dit l'occulta terre. Na bandi à partir du verset 6. N'attends qu'à verset 6e. J'ai lu seulement le verset 6 de Proverbe 2. Il y a Proverbe 2. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse. Oui, de Yahweh appelle sa capoignan. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc ce que le Seigneur a prononcé, donc ce que le Seigneur avait prononcé l'Apocalypse, c'est la bonne connaissance. C'est ça l'intelligence. Nengalobi, trois mesures d'orge pour un denier. Et une mesure de blé pour un denier. Et puis, mais le manco, il y a ma sape pour la dina manco. Ne faites pas du mal à lui et au vin. Au salama bête, n'a ma foute à peine à vigno. Ne te l'oba qui bouille. Alors, nous avions dit ceci. Et mesir, il y a blé, et zali,
parole grâce. Que la mesure biblique, c'est la parole de grâce que nous avons aujourd'hui. Parce que l'Éternel y est mon Jésus-Christ à l'obac à grain de blé. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit qu'il est le grain de blé. Dans Jean 12, dans verset 24. Dans Jean 12, au verset 24. Si tu commences à partir du verset 20, il était cherché par le grec. Les Grecs s'étaient adressés à André. André a dominé Philippe. Et André s'est adressé à Philippe. Après, André et Philippe va pousser ni pas à Jésus. Et tous les secteurs se sont approchés du Seigneur. Les Grecs te cherchent. Ils avaient dit au même moment cette parole. Mouvement les a prophétique. Ce mouvement-là est très prophétique. Lorsque les Grecs sont venus les chercher. Yoka réponse à Pesaké à Philippe na André. Maintenant, écoute la réponse qu'il avait dit à Philippe. Un grain ce que koyi na mabele. Mon maman ko il y a ce que koyi na mabele. Ce que koufite. Si il ne meurt. Et la yango moko. Donc va rester seul ne pourra pas. Mais ce que koufi. Mais s'il meurt, et qu'on portait beaucoup de fruits. Et cela va donner beaucoup de fruits. Réponse à Pesaki na likambo bayako ebisaye ya moa. La réponse donnée à la chose qu'on était venu lui dire, c'était ça. Bon année. Pourquoi? Natawana. Parce qu'en ces temps-là, Zamba salega ya Israël. Dieu n'était que le Dieu d'Israël. Mais tant qu'on monique. Mais lorsqu'il a vu les païens ou les étrangers venir les chercher, cela veut dire qu'il doit mourir pour qu'il puisse s'ajouter. Vous en avez passé à rien. Si tu vois ça passer. De la même manière, lorsqu'il avait dit à Adam et Ève de se multiplier, cela veut dire que le Seigneur avait dit que vous mourrez. Parce que l'Iwane sana kake grain et se multiplier. Parce que c'est la mort qui fait que le grain puisse produire plusieurs. Que Dieu bénisse. Amen. Là, tous yeux se comparé à grain de blé aussi. Là, nous avons pris Jésus qui se compare au grain de blé. Alors, tous yeux qui Matthieu 13, verset 33. Alors, nous avions pris Matthieu 13, verset 33. On a baso tali sa po konti en zambé. Là-bas, on nous parle du royaume de Dieu. Et ça, comme dit le vin. Est semblable à dit le vin. Qu'une femme a pris. Oyo, moi, si mon quoi, azu. Et a tienne à trois mesures de farine. Et l'a mis dans trois mesures de farine. Jusqu'à ce que la pâte soit levée. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est ça le royaume de Dieu. Ton différence qui va par le vin. Nous avons différencié le levain dans la vie. Dans Matthieu 23. Si tu viens dans Matthieu 23. Le Seigneur nous dit attention à le vin à les pharisiens. Là il parlait des faux enseignements des pharisiens. Soko kena 1 Corinthiens 5 verset 7 et 8. Si tu te rends dans 1 Corinthiens 5 le verset 7 à 8. Balobi Christ de notre Pâque a été immolé. Christ au Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Dosa les loulous. Mais non avec du vieux levain. Cité na foulou ya kala. Levain à malice. Levain de malice. Mais avec le pain sans levain. Kasi na lipa o ezanga foulou. Donc batali ici maintenant le vivre on a comme péché. Donc on a parlé maintenant de ces levains là comme les péchés, la méchanceté. Maintenant le vivre il y a Matthieu 13 verset 33. Maintenant les levains de Matthieu 13 33. Eza royaume de Dieu. Eza ne mokota ma kolo ya Nzambe. On a le vivre dans un péché. Ce levain-là n'est pas le péché à cet endroit. Zambazo utilisé. Le Seigneur utilise ce levain. Pour la potale, ça devient trois mesures. Pour montrer qu'au fond, on a trois mesures. Comment est-ce qu'il y avait trois mesures de farine et pour faire lever la pâte de ces trois mesures? Trois mesures, c'est ce que le Seigneur a mis dans la loi, les psaumes et les prophètes. Et ces trois mesures sont toutes les paroles du Seigneur dans la loi, les psaumes et les prophètes. Mais le royaume de Dieu est voyant comme dit les vins pour fongo là-bas livre. Mais le royaume des cieux viendra comme du levain pour faire lever la pâte. Mais ce sera une femme. C'est comme ça, moi, si tu as commis ma levain. Et tu expliquais qu'une femme comme la faiblesse de Dieu. Et nous avons expliqué cette femme, le coup, la potaouto, qu'on les voit. Christ de Jésus est bon. Et Christ de Jésus. Dieu bénisse. Amen. Et là, le levain dans Matthieu 13, 33. Et là, le levain dans Matthieu 13, 33. Est commis Saint-Esprit. Devient le Saint-Esprit. Dieu. Parce que Saint-Esprit ne sonde qu'à tout même la profondeur de Dieu. Parce que mon lit, mon sang, tout n'est et yébignon soit à mes
C'est l'esprit des offongola les écritures. Et c'est l'esprit qui révèle ces écritures. Maintenant, maintenant nous avions montré ceci. Parole Oeza comme trois mesures. La parole qui est comme trois mesures. Eza orge. C'est comme les grains d'orge. Donc l'écriture nyonso oya ba prophète. Dans toutes ces écritures de prophètes. Maintenant, Ezo pesa un denier. Maintenant, toutes ces écritures donnent un denier. Tozoaki un denier. Nous avions expliqué un denier. Dans Matthieu 20. Dans Matthieu 20. Dans un verset 10e, tiens un verset 11e. On avait lu le verset 10 jusqu'au verset 11. Même tiens un verset 12e. Même jusqu'au verset 12. Tomonaki que nous avions vu. Le travail s'est mis dans la journée. Le travail s'est fait pendant la journée. La parabole au Ezali, dans Matthieu 20, à partir du verset 1er, tiens le verset 9e. Dans la parabole qui est dans Matthieu 20, le verset 1er jusqu'au verset 9. Et tant qu'on loua qui m'a serviteur. Et lorsqu'il avait loué les serviteurs après. A loué qui m'a serviteur, bah, qui avant. Il avait loué les serviteurs qui étaient venus avant. Et bah, oh, bah, après, na. Une heure du temps, car on a 11e heure, 12e heure. Et ceux qui étaient venus après seulement pour travailler une heure du temps. À Sali, qu'ils en étaient deux groupes. Et il a fait que ce soit comme deux groupes. Mais salaire n'a pas besoin toujours un denier. Mais tous ces deux groupes-là n'auront qu'un même salaire qui est un denier. Le total, c'est que Dieu parle de plusieurs manières. Alors nous avions montré que nous avons mis à l'eau, l'eau. Et de plusieurs reprises. Nous avons répétition en mouvement dans Matthieu 20. Nous avions pris cette répétition dans Matthieu 20. Nous avons deux groupes. Qui est deux groupes d'ouvriers. Mais pas besoin un denier. Mais qui reçoivent un denier comme ça. Nous avons définition un denier. On a cherché la définition d'un denier dans la Bible. Jean chapitre 4. On a pris Jean chapitre 4. Tout en qui verset 36. On a lu le verset 36. On a le Seigneur a zolobé là sur les champs. Là-bas, le Seigneur a parlé sur le champ. Babilanga. Donc, beaucoup de champs. À Talisi. Le Seigneur a montré. Bino ba disciples. Que vous, mes disciples. Okay, kokota na bilanga o bino bolona kate. Vous êtes allés moissonner dans les champs où vous n'avez pas semé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entré dans leur travail. Mais il a dit que celui qui sème et qui moissonne. Surtout celui qui sème qui moissonne aussi. A son roi salaire qui est la vie éternelle. Pour se réjouir ensemble. Donc les salaires. Oyokuna na Matthieu 20 est un denier. Donc le salaire qui dans Matthieu 20 est un denier. Denier awa na Jean 4 verset 36 et ben ami vie éternelle. Et de ces deniers là dans Jean 4 36 est appelé la vie éternelle. Il faut y voir que denier ezala ki mbongo ya ba romain. Il faut savoir que le denier était la monnaie des romains. Donc ezala ki mbongo importé. Donc c'est comme l'argent qu'on a importé de l'extérieur vers le Seigneur a utilisé pour bambater. Le Seigneur n'a pas utilisé cette monnaie en vain. Azan a une pensée. Il avait une pensée. Lokola lobeli yango na terme ya denier eloko yaki eye koya. Comme il a parlé en termes de denier qui est une monnaie étrangère. Abeli yango comme maintenant vie. Et le Seigneur l'a appelé comme vie éternelle. Mais en réalité, ils ont vie éternelle. Donc c'est la vie éternelle. Oui, ou c'est l'éternité. Qui provient de l'éternité qui est venue. Un exemple, a utilisé monnaie où ils ont juste. Il a utilisé la monnaie qui n'était pas celle des enfants d'Israël. Parce que les deniers n'étaient pas la monnaie des enfants d'Israël. En tout cas, c'est que vie éternelle est où tu as Israël. Donc la vie éternelle provient de l'extérieur et entre dans le monde. Alors c'est ce que tu expliques. Kaki. C'est ce que nous avions expliqué. Tolobaki. Nous avions dit. Trois mesures oyoyo. Et puis Mélomi balé. Donc tous ces livres de prophètes. Ce qui moutou à longolité. Donc si quelqu'un n'y ajoute ni n'en retranche. Alors il y a déjà salaire. Le Seigneur avait dit son salaire. Allez. À cause de Dina, mon corps. Que Dieu bénisse. Amen. Oyo sous y a mesure à blé. Donc la mesure de blé aussi et besoin un denier aura aussi un denier
Alors nous avions avancé dans notre pensée. Pour nakoluka correspondre na ba question ba tebele ba zala kana ya. Pour chercher à vider ou à répondre les questions de plusieurs. Ezana bande comme sus. Il y a d'autres frères. Ba imita na banka ka ba livre ya ba tumusus ou même ba zan évangile éternel te. Qui n'ont copié que les livres des autres ministres ou prédicateurs qui ne sont pas de l'évangile éternel. Soka telemi abengi yango évangile éternel. Et si s'élève devant les saints, il appelle cet enseignement évangile éternel. Conscience na ye eyebi. Et sa conscience le sait très bien. Ya tanga ki yango na puke moko boye. Il l'avait lu dans une brochure. Nde azo koya nango comme évangile éternel. Et maintenant il a apporté cet enseignement des brochures devant le peuple de Dieu. Basusu bazwaka likambo ya koteka wana. D'autres prennent cette affaire là de vente comme crise économique. Loko la crise économique okoya ya makambo mbongo koteka na mabele. Maintenant bazwaka verset 7. Maintenant ils prennent le verset 7. Ya Matthieu 24. Matthieu 24. Lolenge pe baninga na banga ba doctrine mususu bazwaki ka version. Comme leur collègue des autres doctrines aussi avait pris ces versets. Dernière portion est verset 7 de Matthieu 24. La dernière portion du verset 7 de Matthieu 24. Et il y aura en divers lieux. Et pour ça na bisike keseni des famines, banzala et des tremblements de terre. Maintenant, ils n'ont prélevé que la famine dans tout ce qu'on a relevé la crise économique dans le troisième saut. Pour parler de la crise économique dans le troisième saut. Alors, bah, du côté qu'il y a biloko, il va présenter wana. Maintenant, ils ont pris la vente des marchandises qu'on présente dans les commerces. Ils ont l'olenge biloko. Monnaie comme une inflation, ma casse. On a montré l'inflation de la monnaie. Moi, j'ai toujours conseillé chaque frère prédicateur. Ngai na pesaka litoli na bandeko bate. Oyo zamba pesi yote kote yate. Ne prêche pas encore ce que le Seigneur ne t'a pas donné. Ekolongolo moteite. Cela ne t'enlèvera pas le ministère. Et ça m'a bien côté un courage. C'est mauvais ou grave que tu prêches par courage masculin. Et que notre prédicateur vienne les balayer. Alors ce qu'on a un esprit de Dieu, t'es au lobaki aye qu'on combattre. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu diras qu'il me combat devant le peuple. Mais un homme averti, il dira que c'est le Seigneur qui m'a aidé afin que j'emprunte une bonne voie. Donc, ce qui est dans le troisième saut, la crise économique. Il ne s'agit pas là de la crise économique. Donc, c'est la manière dont le Seigneur demande que la parole puisse se vendre. Et n'a pesa qui proverbe 11 verset 26. Alors j'avais donné le proverbe 11 le verset 26. Et le dit c'est lui qui retient le blé et maudit du peuple. Oya zo kanga boule to masamu koko ya kote ka zo la ke la mama bena limota. Mais c'est lui qui le vend. Kasi oya zali kote ka yango. Et béni ye a pambola. Écriture en est à ça qui que c'est cette écriture là que j'ai montré. Moté nyon soza moté. Que prédicateur et vendeur de blé. Mais azoteka sans argent. Mais il vend sans argent. Selon Ésaïe 55, verset 1. Selon Ésaïe 55, le verset 1. Tambalobi sans argent. Quand on dit sans argent, Simba Mengezali. Il faut toujours saisir tel qu'il. Donc, Amoyate Panayo Awaliboso. Il ne viendra pas devant toi là. Komika. Pour que tu sois sauvé. Pesa $100. Donne $100. Donc si tu donnes $50, tu seras loin de Jésus-Christ. C'est les alliés, l'homme vivra par la foi. Amen. Mais il faut que na église doctrinalement. Mais tu dois savoir que dans la pratique de l'église, il y a la part qu'on vient donner aussi à Dieu. Et cela n'a pas quitté ou n'est pas la parole du Seigneur. Et ça dit le Banzambe. Parce que le Seigneur a joué ma salle. Parce que le Seigneur a pris les serviteurs. Héritage na bango ne tulu pango na bango. Et l'Éternel est comme l'héritage ou la portion de ses serviteurs. Ezala offrande. Que ce soit l'offrande.
ou la dîme. C'est la part des ministres. L'offrande n'est pas là pour acheter les chevrons pour construire l'église. Non. Ou bien on amasse les offrandes pour acheter les vitres. Et placer. Il n'y a pas un tel verset dans la Bible. Si tu as ces versets, tu vas me les donner. Offrande, sacrificateur. L'offrande, c'est le droit du sacrificateur. Et les lévites ont droit à dîme. Et les lévites ont droit de la dîme. Et ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 9. Et si tu viens dans 1 Corinthiens 9. Le Seigneur a sanguissé dans la porte. Deux services. Et par les canaux de Paul, le Seigneur a mélangé et les sacrificateurs. Alors, et les lévites. En disant. Et les sacrificateurs. Au verset 13. Il a fait mention de ça. Ça, c'est la doctrine. Il faut moi n'en ai pas besoin. L'écriture et le Bible. L'écriture dit ceci. 1 Corinthiens 9, verset 13. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples. Donc ceux qui remplissent les fonctions sacrées, les Lévites. Amen. Sont nourris par le temple. Maintenant, on va continuer. Maintenant, on continue. Que ceux qui servent à l'autel. Là, c'est les sacrificateurs. On part à l'autel. À l'autel, c'était les sacrificateurs. Mais fonction, il y a temple, il y a Lévite. Mais la fonction de la tente d'assignation était entre les mains des Lévites. Maintenant, en ce service, il y a Lévite, il y a sacrificateur. Maintenant, il prend ces deux services-là. À Saint-Guy, c'est au verset 14. Il les rassemble maintenant au verset 14. Et même aussi. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc il a rassemblé les Lévites. Non, sacrificateur. Et les sacrificateurs. Dans verset 14. Au verset 14. 1 Corinthiens 9. Dans 1 Corinthiens 9. Or, par la Lévite, ils ont acquis dîme. Or, la part des Lévites, c'était la dîme en Israël. Par la sacrificateur, c'est qui? Les offrandes. Et la part des sacrificateurs, c'était les offrandes. Maintenant, nous sommes mis balés, Zangania. Maintenant, que ce soit les Lévites ou les sacrificateurs, sont mélangés. Dans ceux qui annoncent l'évangile. Chez les annonciateurs de la bonne nouvelle. Vous allez en malin? Amen. C'est pourquoi on trouvait. Yangoano Kumona. Ceux qui besoin mon co ezali. S'il y a un besoin. Il y a pour réparer les temples. Et réparer par exemple les temples. Il y a pour ça service. Et faire par exemple les services. On ne prélève pas cet argent-là dans les offrandes. Par Yabate, Zanagaka, Dimete. Non. La part des ministres n'est pas seulement les dîmes, même les offrandes. Voilà l'écriture de Dieu. Et c'est ça l'écriture, l'icomie. Parce que ça, parce que si tu commences à faire des choses sans veiller sur l'écriture, ce sera grave. Parce que Dieu veille sur sa parole. Vous avez à saisir la canalilo banaye. Dans la temple, parce qu'il n'a besoin encore réparer temple. Maintenant, écoute, lorsqu'ils avaient besoin de réparer les temples. Dans 2 Rois 12. Dans 2 Rois chapitre 12. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pour réparer les temples parce qu'ils en avaient besoin. Combattre dans la verset. Premier, à partir du verset premier, il y a des rois 12. J'ai le nom de Jésus-Christ. Hein? La septième année de J.I. Mais vous là, il y a. Joas devint roi. Joas a comme un kinkou. Azan a des rois 12. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Et à Ponta qui 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tiba. Maman a eu comme Ezalaki. De Beersheba. Jaya Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Joas a salaki o esalaki bosse mon ami soit Yahweh. Tout le temps qu'il suivit les directions du sacrifice,
du sacrificateur Jehojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, savoir l'argent ayant cours, savoir l'argent pour les rachats des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qui vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs les prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que le 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela les sacrificateurs Jehojada et les autres sacrificateurs et leur dit, pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous les livrerez pour les réparations de la maison. Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargé des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhovah a pris un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde disaient, ils mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Amen. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire l'exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. C'était le problème de la réparation de la maison. Ici, c'était le problème de la réparation de la maison de Dieu. Mais il y avait des offrandes. Mais il y avait des offrandes. Qui oyo, ils allaient y couper ça selon des sacrifices. Qui s'est donné selon les sacrifices. Qui était entre les mains des sacrificateurs. Sur Otangi, nombre 18. En lisant nombre 18. À Deutéronome 18. Et Deutéronome 18. Mais ici, ils ont cherché la solution. Mais ici, ils ont cherché une solution. C'est pourquoi nous disons, on collectait pour résoudre des problèmes. On collecte l'argent dans l'église pour résoudre les problèmes qui surgissent. Que Dieu bénisse. Amen. On collecte l'argent. Et il collecte, on a pour résoudre le problème. Pour résoudre un problème. Il faut que l'Église. Il faut savoir que l'Église. C'est ce qu'on appelle l'offrande, c'est pour les sacrificateurs. Et les dîmes, c'est pour les sacrificateurs. Et c'est pour les ministres de la parole. Mais vous faites collecter. Mais pour résoudre les problèmes de la maison de Dieu, tout ça la capé. Pour résoudre les problèmes de la maison de Dieu, comme nous le faisons dans notre sang. Dieu bénisse. Amen. Ah, donc c'est que ça très utile et l'ogonios. Donc chaque chose est très utile. Oye, batina na yango n'egeza l'écriture. Et tu saches sa raison d'être dans l'écriture. Je retourne dans nombre 18. Si tu regardes dans nombre 18. Dans Deutéronome 18. Dans Deutéronome 18. La part des sacrificateurs, ezalaki les offrandes. Oye, zalaki ne dit trois yaba sacrifice.
sacrificateur, c'était les offrandes. Que Dieu bénisse. Amen. Tu dois savoir toutes ces choses telles que l'enseignement. Mais il faut y aller que quand tu sèmes aux âmes bénis. Mais tu dois savoir qu'en sémant, tu es béni. Linga ko sème, Zamba ko sale aussi malam. Il faut désirer s'aimer, le Seigneur te fera beaucoup de bien. Quand vous bénissez, Zamba ko résoudre. Beaucoup de choses que le Seigneur peut résoudre dans sa vie. Quand tu donnes. C'est lorsque tu sèmes, tu donnes dans l'œuvre. Obéissance, c'est la parole. Donner, c'est la parole de Dieu. Ce qui va télémérer, compense, c'est qui va télémérer la parole. Si on s'oppose au donner, c'est qu'on s'oppose aussi à la parole. Mais Dieu a donné son fils. Attends, ça vient après ça, moi, Anali Kinda. C'est une offrande. Et ça, l'Ipoza. Ton pika pour appeler sa mari. Et nous sommes sauvés parce que ce fils l'a fait offert. C'est pourquoi ton pika. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Les offrandes, Oyo et Longwa. Les offrandes qui ne sont pas. Quand on parle du changement sacerdoce. Quand on parle du changement sacerdoce. Les alliés offrandes aux alliés pour les péchés. C'est les offrandes qui sont qui étaient données pour les péchés du peuple. Mais offrir pour l'œuvre de Dieu. Mais offrir pour l'œuvre de Dieu. C'est la parole. Et ça, il nous a dit. Ce n'est pas mauvais. Et ça m'a bêté. C'est la bonne nature. Et ça dit le lingue ma lame. Dès qu'on m'a posé une question. Un frère m'avait posé une question. Ce qui n'a pas sa dîme. Si je ne donne pas la dîme que je refuse. Est-ce que nous allons sauver? Est-ce que je ne serai pas sauvé pour autant? Vous allez sauver. Mon frère, tu ne seras pas sauvé. Natunaki, quel est l'esprit qui t'anime pour ne pas donner? Je lui avais posé la question, pour les monini, les autres qui ont pensé à mon connaissance. L'homme sort d'esprit. Donc, parle-nous de cette sorte d'esprit. Esprit de libéralité. Mon limo y a coupé sa mingi. Comment esprit avant les années? C'est quoi le nom de cet esprit qui t'anime? Ozoboy a oupé. Qui refuse que tu donnes la dîme? Ozoboy a oupé ses offrandes. Qui refuse que tu donnes les offrandes? Qui refuse que tu puisses donner le monde? Ce qui est la parole, reste la parole. O Esali Liloba, Etikali Liloba. Asala ka parole po Esali, ordre de Dieu. On pratique la parole parce que c'est l'ordre de Dieu lui-même. Quand Paul a zagoté la parole, lorsque Paul prêchait la parole, ils ont vérifié dans le rouleau. Il vérifiait dans le rouleau des prophètes. Quand ça te dit qu'ils ont tant acte des apôtres pour vérifier bien. Ne pense pas qu'ils lisaient acte des apôtres pour vérifier eux-mêmes les apôtres. Acte des apôtres, ouais, place ma comédie. Acte des apôtres, ouais, place ma comédie. Dim, dim. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Azolo ka D-I-M-E. Il cherche D-I-M-E, accent, ce complexe. C'est ce qu'il cherche dans la Bible. Et la plupart, ce sont des égoïstes. Et la plupart de ceux qui se posent à la dîme, ce sont des mauvais cœurs. Je le dis clairement. La plupart Et vous allez les voir, la plupart ils ont l'air de s'affaire à côté là-bas. Mais ils sont là pour combattre les autres. Mais ils sont là pour combattre les autres. Ils sont vraiment qu'à bon à Moussa la Bible. Ils se sont entièrement consacrés dans l'œuvre de Dieu. Ils sont plus que les sorciers. Moi je pèse mes mots. Parce qu'ils vont détruire l'œuvre. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Ils ont des manettes spéciales. Ils sont comme si spécial n'aime pas la dîme. Non, lui n'aime pas la dîme. Oh, ces choses-là, moi je les touche. Mais tant qu'ils en ont, ils ont besoin de commerce. Ils ont besoin de Dubaï. Ils ont besoin de France. Ma chemise, on est là. Ma veste, on est là. Vous en avez besoin, bon. Tu as besoin de l'argent. Mais vous en avez besoin de l'argent. Vous en avez besoin. Mais à la chair, tu montres comme si vous n'en avez pas besoin. Plus que la sorcière. Pour les kindos qui n'ont pas été mal. Ils ont bloqué mon salaire. Et cela détruit l'œuvre de Dieu. Ils ont bloqué ma bénédiction et belé la bâle. Et cela bloque la bénédiction de beaucoup de gens dans l'église. Tant que la terre subsistera. Tant que ma belé kozala kaka. La loi a sémaille. Mobé kwa kolo. La moisson. Mobé à kobuka. Et kosa. Sera toujours là. Ce qui est le Goliath. Si toi tu l'enlèves. Au bébé ici, Jérémie, dans Genèse 8, verset 22. Tu endommages ou tu détruis Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre est comme ça. Ma belle est ce qui est comme ça. La loi est à colonne. Mon bébé à colonne. La colonne. Et de la moisson. Et mon longue terre. Ne sera pas enlevé.
C'est la parole. Et ça, il l'a dit. Il faut n'ayez pas boire. Il faut que tu saches ceci. Que bien aimé. Abraham. Tant Isaac a botani. Lorsque Isaac fut né ou enfanté. Ismaël Nagar Azaraki. Ismaël et Agar, sa mère, étaient toujours là. Zola Namala. Tu suis attentivement. Maintenant, jour y a Colomba Mabele. Maintenant, les jours de son sévrage. Dès maintenant, Sarah. Maintenant, Sarah, la mère d'Isaac. Amonaki, servante, na. Maintenant, il a vu la servante et la femme en train de rire dans le moquerie. Maintenant, Sarah dit, Bengana esclave, chasse l'esclave et son fils. Parce que son fils n'héritera pas avec Isaac. Non. Ce qui t'aujourd'hui c'est vrai. Si nous prenons Colombo la moine à la Isaac on est tout là. Donc c'est comme notre enlèvement. C'est ça, c'est vrai. Y a moins de Colombo la moine à la libelle. Parce que ma compagne a aussi la parole comme le lait. Parce qu'on compare la parole au lait spirituel. Et ma belle et ma maman, elles ont gagné des alliances. Parce que les mamelles et la mère sont comme les deux alliances. Ma belle maman comme la coupe aux Ezalina. Vin aussi. On l'appelle aussi comme la coupe qui contient le vin. Deux mamelles. Donc le deux mamelles de la mère. Et un Pierre de Delomi. Et un Pierre de qui nous les. Comme les enfants de Dieu. Le coup là-bas n'anzambé. Donc considérer la parole comme le lait. Et nous devons considérer la parole comme le lait spirituel. Quand nous consommons là. Lorsque nous allaitons, tu regardes comme ça. Agar, tu vois Agar. Et Ismaël. Tu vois aussi Ismaël son fils à côté. Alors, Yozomela. Et toi, tu es en train d'allaiter. Donc, tant que tu as la grâce. En étant dans la grâce aujourd'hui, si tu tournes, l'oise. La loi est là à côté. Azama. Elle est là, la loi. Mais maintenant, il faut comprendre que. Maintenant, tu dois comprendre, bien-aimé. Quand la loi dit que la femme ne peut pas prêcher. Moi, si à qui côté à terre. La loi a dit à mon anéguine. La loi l'a dit de quelle manière? Moïse. Moïse. Tu prendras Aaron et ses fils. Quand la phrase, c'est quoi cette phrase-là? La loi a dit la femme ne peut pas prêcher. Mon bébé, moi, c'est à qui côté à terre. Seulement par cette parole, prends Aaron et ses fils au consacré pour le service du Seigneur. Soit à l'onamobali, benabana, ibalotia, bamo na musala nzambe. Lorsque Paul a regardé l'écriture, alobi, il a dit dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Corinthiens 14, que les femmes se taisent. Il ne leur est pas permis d'y parler. Et personnellement, bamo tsela baloba comme les. Aussi la loi. Le col la mobeko ezo lo bape ndenge moko. Donc na place wana, à cet endroit là, loi a lobi ndenge moko na grâce. La loi a parlé de la même manière que la grâce. Donc comme les dit aussi la loi. Lo lenge moko pe mobeko ezali koloba agaraza. Agarela. Ali comme net tototé ya boy. Donc comme nous présentons dans la grâce. Nous sommes du temps de la grâce. Agaraza. Agar est à côté de Ismaël. Et Ismaël de même. Zora na mala. Amen. Ah zawa. Et aussi manengi Bible zara. Est-ce que tu saisis bien les Écritures? Agar entend les aussi comme la chair. Agar représente aussi notre chair. Zotoyo. Donc cette chair ici que nous avons. Zotoyo. Dans cette chair. Parce que les sacerdotes lévitiques ils ont fait sacerdoce terrestre. Parce que les sacerdotes lévitiques ils ont fait mosala tambi ya makabwase ya zoto. Tosa na makama moli monakati na biso. Nous avons les choses spirituelles en nous. Mais Agaraza. Mais Agar est à l'extérieur, la chair. Agaraza. La chair. Dans mon nid, tu vas chasser. Quand est-ce que nous allons chasser Agar? En un clin d'œil. Na clin d'œil, comme il t'a dit sur terre. Au son de la trompette. Na koula maya kielelo. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parce que quand tu n'as plus de ma coupe, quand tu n'as plus de ma possède, et nous serons transformés. Mais nous sommes donc au bon point dans la vie.
personnes. Là, on chasse Agar. Wana mabenga ni mwasi Agar mohumbu. Toto sisi komela. Parce que nous sommes sévres. To s'assemble pour l'enlèvement. On s'assemble pour l'enlèvement. Si nous résoudre un problème, si nous voulons résoudre un problème, Moïse vient. Alors, il dit, Bazouaka accusation d'un ancien à déposition de deux ou de trois. On reçoit l'accusation contre un ancien à battre libre mi balé tomi sac. Donc c'est que, c'est-à-dire, tant que nous en a grâce. Si nous sommes, quand nous sommes dans la grâce, Moïse, il y a Moïse à côté. Au lieu de résoudre le problème, il faut deux ou trois témoins. Où est-ce que tu l'as eu? Pas Moïse. Chez Moïse. Loi. La loi Agar. Libéralité. Compensa na monte manayo mon bimba. Moïse. Mon c'était mon bébé. Exode 25. Le verset premier. Le Seigneur a l'homme. Le Seigneur dit. Totanga libéralité. Au détail libéralité. La libéralité est mosaïque. Exode 25, verset 1er. Exode 25, verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit. Yahweh alobela qui n'a pas sepé à Tanis. Na komina verset 2e. Le verset 2. Parle aux enfants d'Israël. L'obéla bana Israël. Qu'il m'apporte une offrande. Bah memelakaï liponza moko. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. C'est sa libéralité. Qui l'a prêché? Moïse. Mais c'est Moïse, son prédicateur. C'est moi. Et donnez comme tu veux. Moïse, c'est Moïse qui a né le prédicateur. Tant que le bagage est censé, ça va changer. Tant que le bagage est censé, il y a un bon Zambé. Et le bon bagage que la loi de Zambé a changé. Cela ne veut pas dire que toute la loi de Dieu a changé. Non. Ça bon côté. Ce n'est pas ainsi. Bible est le bien. La Bible dit. Sacerdoce est fait seulement qu'il n'a Lévi. Le sacerdoce était donné à Lévi. Et qui est précédé le bien. Comme est précédé dit. Moïse, mais le Seigneur a eu un attribut Oyo. Moïse a salé qui mentionne tellement à sacerdoce. Mais on dit le Seigneur est venu dans une tribu qui n'a pas été fait mention par Moïse pour les sacerdoces. Dans la tribu à Juda. Donc dans la tribu de Juda. Alors il rajoute ceci. Comme la loi est changée. Comme les sacerdoces a quitté de Lévi vers Juda, les sacerdoces a changé. Maintenant, les choses ont changé. Nous sommes dans un nouveau sacerdoce. Il ne comprend même pas le nouveau sacerdoce. Quand il y a un nouveau sacerdoce, pour lui, le nouveau sacerdoce, nous sommes spirituel. Tout est spirituel. Mais je te touche dans tout est spirituel. Yo comme spirituel. Toi tu es devenu spirituel. Mais yo, mais toi tu es rangé. C'est quoi ça? Donc on retrouve que mademoiselle a des difficultés. Donc les gens ont des difficultés profondes. Il faut croyer Baboïque. Il faut savoir ceci, bien aimé. La loi n'a qu'à tenir en quoi prophète. Donc la loi en elle est aussi un prophète. Et ça n'a pas qu'un bois qui se met toujours par rapport à la loi. Tin Apocalypse. Donc il y a des choses qui s'apprennent par rapport à la loi jusqu'à l'Apocalypse. Là-bas. C'est ça la parole du Seigneur. Il y a côté de l'Obanzambe. À côté Wana, je suis entré là. Ton accueillé au moins dans Zambé que. Pour t'aider toi, enfant de Dieu. Ceux qui osent aller dans Zambé tenant bon yo. Si tu ne sers pas le Seigneur avec tes biens, tu pêches. Oso sumuka. Je te dis tu pêches. Nazoé biso oso sumuka benza. Sala lo lenge Bible lobi. Fais comme la Bible le dit. Au cause à la terre, tu peux
avoir même peu de moyens. Mais Mosala Zamba Zana Katiwa. Mais les serviteurs de Dieu aussi à part dans tes l'œuvre de Dieu Pesana Katiwa. Et l'œuvre de Dieu aussi se retrouve dans tes maîtres moyens. Église Zaneti Mabele Okolona Okopuka. L'église c'est comme une terre fertile où tu sèmes pour moissonner abondamment. C'est très important. Et ça pour tout Yamakasi. Veuve à Sarenta. La veuve de Sarenta. Azalaki presque ne loko yé akoki oliana mwana koufi. Elle n'avait que peu de choses pour manger avec son fils et mourir. Elia yoke la kiye mawate pour le bibo. Elie n'avait pas eu pitié de cette veuve parce qu'elle avait. Aïbaï ki ko pesa pona mosala nzambe zaneti aloni. Elie savait que donner aux serviteurs de Dieu, c'est comme si cette veuve a s'aimé. Ndaku na ye ezanga kuil na pente. Sa maison n'a pas manqué de l'huile et de la farine. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est très puissante. Diamon a disposition à cœur. Le Seigneur ne voit que la disposition de ton cœur. Tant vous considérez la parole. Lorsque tu considères la parole, il et lui aussi t'honorera. C'est ça. Et pas Zambé. C'est ça la manière de faire de Dieu. L'écriture de Dieu. Tu es appelé à faire ce qui est écriture. Mais il faut aujourd'hui. Maintenant, je retourne dans ce que nous disons pour aller chuter. Nous montrons, bien aimé. Ici, lorsque nous présentons trois mesures d'orge, une mesure de blé. Et ça, toute la parole. De Genèse à l'Apocalypse. Ça liloba mobimba ko uta ebandela kino na suka na Apocalypse. Koteya eza koteka. Donc prêcher la parole c'est comme vendre le blé pour les grains. Tant aux autres que parole, aux autres que sans argent. Et lorsque nous vendons la parole, on le fait sans argent. Et tant aux autres que Bible dit que ko sala mabena na 20. Et en vendant, le Seigneur dit de ne pas faire mal au vin. Vin écriture wana. Le vin par rapport à cette écriture là. Ça vin rouge. Ce n'est pas le vin rouge. Vin écriture wana. Le vin par rapport à cette écriture. Et zotali ça l'alliance du temps. Représente l'alliance du temps. Il y a des vins vieux. Nous avons parlé de vins vieux dans la Bible. L'alliance qui était avant. Na vin nouveau. Et le vin nouveau, bien-aimé. Répété na grâce. Il y a des choses qui ne sont pas reprises dans la grâce. Na kati ya vie, ya loi. Et qui sont aussi dans la vie de la loi. Ezaneti, par exemple. Que, par exemple, bien-aimé. Et tu vois comme la construction de l'arche de Noé. Et aujourd'hui, tu ne viendras pas qu'on puisse bâtir une maison ou un navire, que celui qui sera à l'intérieur, celui qui sera sauvé, et celui qui sera à l'extérieur ne sera pas sauvé. Là, le Seigneur a été spirituellement comme c'est Christ. Et là, le Seigneur est venu parler de l'arche spirituelle comme le Christ de Jésus. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, Ezaneti, la loi n'est pas le baki. C'est comme la loi avait dit. Nali kambuya lèpre ou bien na moto sokaza souillé. En ce qui concerne la lèpre ou l'homme souillé. Et purification ezamol le kananzela ya mayi ko sokola sokaza souillé. Et sa purification parle passer par les lavages par l'eau. Pour la purification à chair. Pour se purifier dans la chair. Mais les lots. Mais aujourd'hui. Nous avons utilisé encore maï. Nous utilisons encore c'est l'eau. Pour le baptême d'eau. Pour le baptême d'eau. Mais Paul Pierre a dit. Mais Pierre a dit. Et ça non pour la purification de la souillure de la chair. Et ça l'idée pour la bindo yanzoto. Donc, purification suivie à chair et à la kina, sacerdoce lévitique. Donc, la purification des suivies de la chair, c'était dans les sacerdoces lévitiques. Mais maintenant, nous utilisons encore maï. Maintenant, nous utilisons encore l'eau naturelle. Pour le baptême. Pour le baptême d'eau. Mais est commis par rapport à un engagement d'une bonne conscience. Mais cela devient par rapport à un engagement d'une bonne conscience. Nous avons une décision. Donc, la personne prend une décision. Pour pardonner à péché. Pour le pardon de ses péchés. Il a baptisé. Et puis il est baptisé. Et c'est toujours l'eau. C'est ça qu'a ta maille pour aider Zambakila. Nous sommes dans la Amen. Il y a encore le but que ça pour la purification à chair, de suivre à chair. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas pour la purification de suivre charnel. Donc, tu
tu peux remarquer. Dans ces sacerdoces-là, on portait les vêtements sacerdotaux. Mais aujourd'hui, ce ne sera plus porté physiquement. Ils ont par rapport à la dignité. Aujourd'hui, ces vêtements-là, c'est la dignité d'un ministre. Ministériel. La dignité. Dans le ministère. La grâce que tu as donnée. Donc c'est ça les vêtements des sacrificateurs. Nous avons vu dans d'autres enseignements. Vous allez voir, on a acheté de l'huile, on verse sur quelqu'un et sa veste même essuyée. Là, ce sont des aveugles. Donc c'est que. C'est-à-dire. Nakati ya trois mesures d'orge, na une mesure de blé. Dans trois mesures d'orge et une mesure de blé. Na insiste encore. Jésus toute la parole. Maintenant il faut y baboyer. Maintenant tu dois savoir ceci. Nakati ya baso dans le sceau apocalyptique. Baso pesa d'abord symbole à l'iboso. Baso pesa cheval. Donc, le premier symbole, c'est d'abord le cheval. Naoya Mati. Ils sont cavaliers. Maintenant, couleur au bâtier na cheval. Maintenant, la couleur qu'on a mise sur ce cheval. Yamone bazo continue na yango na misala wezo sale manazi. Et c'est ça, c'est cette couleur-là qui continue ou qui est détaillée par l'œuvre qui s'est faite là. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et ça, pour mon Seigneur, nous avons un exemple. Nous prenons un exemple. On a présenté cheval roux. On a présenté le cheval roux. Na deuxième saut. Au deuxième saut. Il est en train de faire quelles actions? Donc, il a reçu le pouvoir d'ôter la paix. Afin que les hommes sur la terre s'égorgent. Donc, vous voyez cette action-là, c'est aimer le sang. Kolinga tuerie. Donc aimer la tuerie. Yamonde aspect rouge, ma bébé. C'est ça l'aspect rouge de ces chevals. Nous suivons attentivement. La première saut aussi. De même au premier saut. Et la même manière qu'on avait fait. Arc. On a montré le cavalier avec l'arc. Arc où on était les sacs à bouche. Et l'itimon on a des monocles au biba. Paul a l'obagi na 2 Corinthiens 11. C'est pourquoi Paul avait dit dans 2 Corinthiens 11. Alors dit que Satan a se déguisé en ange de lumière. Satan a beaucoup anagapé. Soit l'olenge ya moi genou ya Paul et même ses ministres Pepa Salina Bazali pour se déguiser en ministre de justice Bako babimaka pe loko la basali ya moenge donc babimine ti batu ya pembe donc ils paraissent comme les gens qui ont la blancheur et c'est ça l'art ne li timo basimbi zola na mala suis attentivement l'olenge moko tango ba présenté na troisième saut et la même manière lorsqu'on a présenté dans le troisième cheval noir. Le cheval noir. Mais quand on a présenté le cheval noir, lorsqu'on a présenté le cheval noir, et sa couleur et église terre. Et sa langue et église à terre. Parce que ma doctrine moussous. Parce que notre doctrine. Basali Sakawana de l'église Zalaki dans l'âge des ténèbres. Il montre que c'est le temps où l'église était dans les ténèbres. Les âges et Zaka temps passé. Les âges, c'est le temps passé avant la grâce. Bisous, grâce nous a l'aujourd'hui. Nous, la grâce, c'est le temps qu'on appelle aujourd'hui. Maintenant. Les losikoyo. Vous êtes là, madame? Amen. Il y a des âges passés. Les alliés n'ont pas tant de kéké. Mais aujourd'hui. Les lots. Il est. C'est ça notre temps. Amen. Vous êtes là, madame? Vous suivez attentivement. Âge tel, âge d'Irénée. Âge d'Irénée, Calvin. Biloko nyonso wana eza biloko moko très sale. Toutes ces choses-là sont immondes, très sales. Ma doctrine à mort. Biso tozaka kana kata une heure, dernière. Nous ne sommes que dans une heure qui est même la dernière. Nenge Jean qui na 1 Jean 2 verset 18. Comme l'apôtre Jean nous l'a prêché dans 1 Jean 2 le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Cette dernière heure là c'est l'aujourd'hui. Et cette dernière là c'est l'aujourd'hui. Tant et les kagine ce sont des âges. Et les temps passés avant la grâce c'est ce qu'on appelle les âges bikeke. Dieu bénisse. Amen. Parce que le long moment à monter, il y a
Assemblée des saints. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un ministre de l'Église des saints. Azoté à laisser tâche de l'Église. Azoté à piquer que ça pour l'Église. Mon ministre ne va pas transférer à quel est Branhamisme. Donc, il faut transférer quel ministre dans la doctrine de Balaam Branham. Donc, à quel est le Branhamisme. Et qu'il aille là-bas chez Balaam Branham. À quel est côté à les âges. Cet âge de l'église Kuna. Et là-bas qu'il aille prêcher Bikeke Sambo. Nous sommes dans l'aujourd'hui maintenant. Nous sommes dans maintenant. Si vous entendez sa voix. Ce qui mongongo na ye. Nambi, si c'est pas vocal. Maintenant. Notre cas, on l'appelle maintenant. Babengango, dernière heure. Mongasuka. Ine. Babengango, l'aujourd'hui. Lelo. C'est ça notre temps. Mais ce que l'on dit, les âges qui étaient passés, ce n'est pas un problème. Mais qui est le cas? Pas Élie, pas Jérémie, pas Daniel. Daniel. Oui, oui, mais c'est que dans chaque écho, nous avons dit d'un prophète. À chaque temps, tu n'en vois qu'un seul prophète, frère. Tout n'a eu aux yeux, mon verset. Pose-lui la question, dans quel verset tu as tiré cela? Et bien, si que nous dans Esdras 5, je suis dans Esdras 5, verset 1 à 2, ou verset 1 et 2, Zamba Tombola, Agé na Zacharie au même moment. Le Seigneur a élevé Agé et Zacharie, deux prophètes au même moment. Et Anakisus na Apocalypse 11, et il a encore promis l'Apocalypse 11, à deux prophètes, il enverra encore les deux prophètes, les deux hommes, au même moment. N'attaque mon corps. Et ça, là, qui fait ma prophète, nous sommes en Israël, tant Israël est catané en deux. Il y avait aussi d'autres prophètes qui étaient en Israël lorsque le roi a été divisé. Nous sommes en Juda. L'autre est en Juda, par exemple. Au même moment. Nathan, au moment. Maintenant, aux yeux, au roi. Maintenant, où est-ce que tu as eu cet enseignement? Mais tant que ton tombe la prophète Monko, mais lorsque nous n'élevons qu'un seul prophète, Tolomé la prophète Oyayena Alliance. Nous parlons du prophète qui a porté l'alliance. Jean chapitre 1er verset 17. Jean chapitre 1er verset 17. Et le dit la loi a été donnée par Moïse. Maintenant va continuer. Maintenant on continue. La grâce Golou et la vérité Bébosolo sont venus par Jésus-Christ. Messie. C'est ça, prophète, mon corps. C'est ça, un seul prophète que nous avons. Dans le temps de la loi, Moïse. C'était Moïse. Dans le temps de la grâce, Jésus-Christ. Jésus-Christ, ah. Apôtre Bateya, bon mot. C'est comme ça que les apôtres ont prêché la parole. Ils ont dit que yo, ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas. Ce n'est pas que toi, ceux qui ont appris. L'unique prophète. Et tu sors directement, je suis l'unique prophète. Là, tu as bien l'écriture, Ephésiens 4. Là, nous savons l'écriture de Ephésiens 4. L'Éternel a fait les uns comme pasteurs, ils en ont plié. Ils ont mis à salir par mon colo, la baba, et l'ipate, baïke. Comme évangéliste, ils ont toujours avec S, pluriel. Papa dit sango, baïke, belé. Comme prophète, basakoli, ils en ont plié. Au pluriel, et belé, basakoli. Comme docteur, baté, ils en ont plié. Malakis, et belé. Comme apôtre. Et à canapler. Quelque part aux apôtres. Tu ne peux pas être un apôtre quelque part. Le Seigneur ne peut plus élever un autre apôtre. Verset wana apôtre zana S. Les versets là d'apôtre à S au pluriel. Ils ont une limite limitée. Mais comment toi tu veux supprimer les S? Verset wana Ephésiens 4. Les autres comme prophètes. Ils en ont S. Babisou la basakoli et belé. Zike. Moïse, tant que vous avez dit que Toyoki, Medad na Eldad, vous avez prophétisé dans le camp. Lorsqu'on a dit à Moïse que deux anciens qui sont restés là-bas prophétisent dans les camps, vous avez dit qu'on voulait les interdire de prophétiser. À quand vous pourquoi Moïse s'est étonné. A dit, il dit presque tous vont prophétiser. J'ai dit que puisse l'assemblée éternelle être tous des prophètes. A verrouillé l'article la prophète. Il n'a pas verrouillé le nombre des prophètes quand même. Voilà. Il a souhaité. Il a même souhaité que. Montazan a grâce. La grâce. Il a la grâce, monsieur. Il aime que notre grâce se manifeste dans le peuple. Et soulage un travail. Et cela soulage ou allège la charge du travail. Est-ce cela normal? Amen. Yango komo natango yota la parole. C'est pourquoi tu vas remarquer en prêchant la parole que Azan cheval noir. Qu'il
dominer un cheval noir. Il faut sa définition à noir. Mais tu dois avoir la définition de la couleur. Et la définition de la noirceur provient de la balance qu'il a en main. Parce que la Bible. Parce que dans la Bible, frère. On a qu'à clôturer aujourd'hui. Pour aller clôturer aujourd'hui. La Bible le dit dans 2 Corinthiens 6. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6. À partir, il y a toujours verset à 2 Corinthiens 6. Alors, tout la balance, na noir ou na cheval. Ici, nous voyons la balance et la couleur noire du cheval. Tout le verset 14. Le verset 14. Il y a 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens, le verset 16. Ne vous mettez pas avec les incrédules. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Maintenant, on veut répéter la justice et l'iniquité sous une autre forme. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière? Donc lumière de justice. Donc la lumière c'est comme la justice. Et les ténèbres. Et les ténèbres. Ténèbres de iniquité. Mais la contexte où tu allies. Dans le contexte où nous sommes. Nous parlons de la couleur noire de l'Antichrist. Il faut savoir que la Bible balance vraie. Il faut savoir que la Bible approuve la vraie balance. Dans Proverbe 16, verset 11. Dans Proverbe 16, le verset 11. Pézolomapé balance fausse Zara. Et la Bible aussi approuve l'existence de la balance fausse. Dans Proverbe 11, verset 1. Dans Proverbe 11, le verset 1. Je lis ça vite par la grâce de Dieu. Bon, permettez-moi de le lire vite par la grâce du Seigneur. Parce qu'ils ont des responsabilités tous en avant. Parce que c'est la charge qui nous a été confiée. Dans le verset 1, il y a Proverbe 11. Verset 1 de Proverbe 11. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Et mekelo ya bosito, ya mabenza mbe ya linga kamote. Mais le point juste. Kasi bosito ya solo. Lui est agréable. Et à linga kayango. Balance fausse à linga kamote. Le Seigneur a en horreur la balance fausse. Poids juste. Mais il agrée le poids juste. Dans Proverbe 16, verset 11. Dans Proverbe 16, le verset 11. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Lévitique 19. Lévitique 19. Verset 35. Lévitique 19, verset 35. Lévitique 19, le verset 35. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures des dimensions, ni dans le poids, ni dans les mesures des capacités. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des efforts justes et des injustes. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc ce qu'on utilise balance ya mabe. Donc si tu utilises une fausse balance, au sali iniquité. Donc tu as commis l'iniquité. Or, tu aimes bien les diables. Or, nous savons bien les diables. C'est le mystère de l'iniquité qui agit. Et à ça, la canakata dit bon, mami, y'a meba, y'a mozanga, bosembo. Selon 2 Thessaloniciens 2. On l'a dit ça, 2 Thessaloniciens 2. Comme Azanakati a ministère à l'iniquité. Comme il est dans le mystère de l'iniquité. Iniquité, l'ingakotari, ça a changé de Dieu. Donc, l'iniquité. C'est changer de Dieu. Parole est le bibouye. La parole d'Isis. Mais au bouye, vous savez, la parole au présenté, ma kamisinaï. Mais tu refuses de pratiquer la parole et tu nous présentes tes raisons. C'est l'iniquité. Et ça, mais pas.
Amen. Alors le malin, l'antichrist, a travaillé dans l'iniquité. Et l'antichrist travaille dans l'iniquité. Or, Lévitique 19 est tel ici que Moutsoukazana balance Yamabé. Or, Lévitique 19 montre que si quelqu'un possède une fausse balance, verset 35, au verset 35, Azara kata iniquité. Il est dans l'iniquité au sein de la possède. Les cavaliers Azawan. Les cavaliers qui est dans le Azara kata iniquité ponani. Pourquoi nous disons qu'il est dans l'iniquité? Na 2 Corinthiens 6, Tomoni iniquité, Bakoka disyangona. Ténèbres. Nous voyons l'iniquité a été fait semblable aux ténèbres. Comme les noirs. Le col, la langue, il y a Moïndo. Mais grâce soit rendue à Dieu. Kassimolo est pas ensemble. Gloire est à la rendue à Dieu. Et la gloire soit rendue au Seigneur. Parce que dans 2 Corinthiens 4, verset 1er, parce que dans 2 Corinthiens 4, le verset 1er jusqu'à 4. Alors, mais si notre évangile est voilé. Ce qui est pour ceux qui périssent. Et ça, voilé pour ceux qui périssent. Et ça, voilé pour ceux qui périssent. Et ça, voilé pour ceux qui périssent. Donc si lui il va apporter ses ténèbres, il ne va pas aveugler l'église du Seigneur. La vraie église est au moins la splendeur de l'évangile. La vraie église contemple la splendeur de l'évangile. Mais il y a ça avec l'iniquité. Mais lui travaille dans l'iniquité avec des enseignements abominables. Azotombo la créature na place à créateur. Il élève la créature à la place du créateur. Atiema Joseph sambela bona biso. Prie pour nous Joseph. Marie sambela bona biso. Marie mère de Dieu prie pour nous. Ce sont des iniquités. Les salis kosa nga bosembo ba mbeba. Ezaba ténèbres. Milili. Ma doctrine des statues des idoles. Les doctrines des statuts bikeko, ce sont des iniquités. Et ça, mais ça n'a qu'à l'église terre. Et ces doctrines-là ne sont pas dans l'église du Seigneur. La vraie église, l'église à sol, et au moins la splendeur, il y a évangile. Contemple la splendeur de l'évangile de Christ. Bah, où va-t-on périr? Donc, ceux qui se perdent, bah, appelé à être aveuglé par les dieux de ces siècles. Bah, on est ben ami de Satana, kanabamo miso po ba mona tike boata. Parce que miso dosa na katia vient et voit. Parce que nous sommes comme gens qu'on appelle pour venir voir. Donc, tout le monde vraiment le connaît ça. Donc, nous voyons vraiment les mystères tels. Mais toi, y'a dit que l'on connaît ça, boye, boye, boye. Et nous voyons vraiment les détails de cette chose. Par grâce. N'angoluya. Parce que le Seigneur a péché miso son Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a donné son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, ça m'est mis sur un molim. Et le Saint-Esprit, c'est le yeux spirituel. Qui nous aide dans le discernement des choses. Par la grâce de Dieu. N'angoluya nzambe. Et la grâce du Seigneur, ça l'icolo na moko na moko. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Nzambe a sale la yomola momi. Que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Kolo amomba. Il ouvre de bonnes voies pour la gloire de son nom. Que l'ennemi ne te vainque pas au nom de Jésus-Christ. A piqué sa yo na maladie, pe ma problème aux anayambo. Dans la maladie et tous les problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour Nangolo Nayo. Seigneur, je te rends grâce pour ta grâce. Nanyo so sali na kati na biso pour na bolingo na yo. Dans tout ce que tu as fait parmi nous pour nous. Kimia na yo ezala na moko na moko. Que ta paix soit le partage de tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen. Amen.